Parti. Camarade secrétaire général adjoint, camarade membre du bureau politique, camarade membre du Sénat, camarade cordon et cordons adjoints, camarade cadre du parti, camarade secrétaire provinciaux, excellences mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, à l'occasion de l'anniversaire du parti Lumumbiste Unifié, notre cher parti, je salue avec joie la présence pleine d'ardeur et de chaleur révolutionnaire du secrétaire général chef du parti, le professeur Willy Makiach, du secrétaire général adjoint son excellence Didier Manzenga, ministre de l'intégration régionale. La présence également de tous les invités, des militants et militantes. Je salue enfin notre jeunesse qui occupe une place de choix au sein du parti Lumumbiste Unifié. Je vous souhaite tous la bienvenue dans votre permanence, le peuple. À l'occasion du 57e anniversaire de la création du parti Lumumbiste Unifié, avant toute chose, j'aimerais vous remercier tous, militantes et militants du parti qui, en dépit de vos multiples occupations et surtout de la conjoncture sanitaire dominée par la pandémie de COVID-19, avez voulu répondre massivement à l'invitation vous lancée par le parti Lumumbiste Unifié. À ce titre, je vous invite tous à vous lever pour vous applaudir mutuellement. Merci, camarades. Comme vous le savez tous, militantes et militants cadres du parti Lumumbiste Unifié, du 22 août 1964 à ce jour, il y a exactement 57 ans depuis que fut créé le parti Lumumbiste Unifié en sigle PALU. Pour mémoire, le 10 juin 1960, un protocole d'accord fut signé par le dirigeant du Parti nationaliste, membre du Front commun, grâce auquel le nationaliste obtint la majorité de sièges au Parlement. Il s'agissait notamment du MNC de Patrice Emery Lumumba, du Parti solidaire d'Antoine Nkizinga, du Baloubakat de Jean-Son Sendoué, de l'Uitak de Guillaume, André-Guillaume Loubaya et de Céréa de Marcel Bissiguro. Face aux enjeux et nombreux coups mijotés contre le gouvernement Lumumba et ses compagnons, les dirigeants de tous ces partis décidèrent de signer un protocole d'accord de fusion toutes les formations politiques nationalistes en vue d'une seule organisation politique. Ce protocole d'accord sera mis en application par le patriarche, le vénérable, l'immortel patriarche Antoine Nkizinga, à la sortie de prison de Boulambemba, 3 ans après l'assassinat crapuleux du chef de file, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, le 17 janvier 1961. C'est par ces protocoles de fusion de 1960
qu'elle fut créée, le Parti Lumumbiste Unifié, le 22 août 1964. Palou! Oui, la Congo! Palou! Oui, la Congo! Palou! Oui, la Congo! Oui, la Congo! Oui, la Congo! Les patriarches, le vénérable Antoine Gizenga sera obligé de prendre le chemin de l'exil pendant 27 ans, faisant allusion ou comparaison au même nombre d'années que celle de son compagnon de lutte pour la libération de l'Afrique. Il s'agit de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Pendant tout son temps d'exil, le parti a vécu dans la clandestinité avec des conséquences graves allant à des tortures physiques, sacrifices suprêmes et des emprisonnements multiples. Je vous invite à vous mettre debout pour une minute de silence en mémoire de tous ces nationalistes qui ont été fauchés et qui ont perdu leur vie pour le combat pour la démocratie et la liberté. Une minute. Merci beaucoup, camarades. Le patriarche Antoine Gizenga reprendra en main la commande du Parti Lumumbiste Unifié en dépit de l'assassinat crépuleux honté d'un bon nombre de compagnons de lutte. Après la déchéance du président dictateur, M. Mobutu, et l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila, le 17 janvier 1997, avec qui il avait de bonnes relations depuis le maquis de Ouabora, Antoine Gizenga signera en 2006 un accord de gouvernance au regard des résultats électoraux obtenus pour la gouvernance avec Joseph Kabila Kabange en 2006. Le peuple! Camarades, militantes et militants, cadres invités du Parti Lumumbiste Unifié, je confirme que nous venons d'une grande école de formation politique, cette école dont le recteur magnifique s'appelait Antoine Gizenga. Je confirme, camarades, que nous venons d'une grande école de formation
nation, dont le recteur magnifique s'appelle Antoine Gizenga. Parce que nous n'avons pas fini les combats, mais nous pouvons nous dire être un peu satisfaits du combat que le Palou a mené depuis 57 ans. Et nous devons reconnaître ici que le Palou est en pleine crise, parce que d'un côté on voit Dorothée Gizenga et de l'autre côté on voit Godefroy Mayobo. Et comment pouvez-vous expliquer en tout cas cette crise? Nous nous disons qu'il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Le Palou est indivisible. Le seul Palou que nous avons, c'est le Palou qui est dirigé par le professeur Willy Makiashi. Mayobo, c'est un usurpateur et nous ne tenons pas compte de lui. Quand quelqu'un veut être fou, nous nous laissons continuer dans sa folie. Mais nous, nous savons que le parti est indivisible. Dorothée a créé son capi. Nous, pour nous, nous considérons ça comme une ONG. C'est une ONG qui n'a rien à voir avec le Palou. Le Palou est là. Après notre congrès de renaissance, nous avons un seul parti. Le parti Lumumbi signifié Palou, dirigé par le secrétaire général Willy Makiashi. Merci beaucoup. Merci. L'expérience de 57 ans a donné aux militants du parti Lumumbiste unifié un certain niveau de l'interprétation et de l'analyse de la chose publique. Différemment des autres militants, les militants du parti Lumumbiste unifié sont attachés à la nation, attachés à la République, attachés au Congo. C'est ça le lumumbisme. L'intégrité du territoire, la nation congolaise sont là les piliers de la lutte de tout militant lumumbiste. Mais en termes d'arrivée, nous ne sommes pas encore arrivés parce que le Congo a encore un parcours à faire. Nous n'avons pas encore atteint le niveau de développement. Nous n'avons pas encore atteint le niveau qu'avait voulu Gizenga. De sortir du Congo de la situation de la forêt vierge dans laquelle règne la jungle, où le gros arbre s'accapare de toutes les eaux du pluie, mais construire un Congo comme un jardin botanique où toutes les plantes auront la même chance d'être arrosées. C'est l'idéal que nous poursuivons au sein du parti Lumumbiste unifié et nous continuons la lutte au regard de tout ce qui peut arriver comme tumulte, qui peut arriver comme difficulté. L'idéal du Palou, c'est le Congo. L'idéal du Palou, c'est voir un Congo grand, un Congo tel que l'avait rêvé Patrice Emery Lumumba, le génitaire et le concepteur du parti Lumumbiste unifié. Nous avions connu plusieurs étapes de lutte. On a connu la première étape de la lutte pour la restauration de la légitimité perdue depuis le 5 septembre 1960, date de l'éviction de Patrice Emery Lumumba. Nous avons fait un combat pour restaurer la démocratie et le pluralisme politique au regard de 32 ans de la dictature. Le combat du Palou pour aujourd'hui, c'est de pouvoir rendre au peuple le mieux-être en travaillant dans notre participation dans les institutions. C'est pour amener, pas aujourd'hui, pas demain, mais un travail permanent dans la transformation du Congo. Merci beaucoup. Merci. We'll be right back.